Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la démo de Mistover. Alors, je vous dis tout de suite, je la découvre en même temps que vous. Je l'ai installée, je n'ai pas touché. Alors, pourquoi est-ce que je veux regarder cette démo? Parce que j'ai lu partout, les gens disent ouais, Mistover, mais c'est Darkest Dungeon version JRPG. Alors, j'aime beaucoup Darkest Dungeon. Je déteste les JRPG. Je sais pas quoi penser par rapport à ce titre. Voilà, donc je vais découvrir la vidéo et on va regarder ensemble. Ok, donc il faut utiliser le clavier pour lancer. Il n'y a pas de... La souris marche pas? Ok, écoutez, on va jouer en normal. Alors ça. Arta, un petit royaume au bord du continent, a jadis été confronté à la menace de la destruction lorsqu'un vortex massif est apparu à proximité. Ce pilier de désespoir, comme il a été appelé, a presque amené la fin du monde. Cela a commencé il y a quelques années, lorsqu'une brume épaisse est a émané pardon, du vortex et a commencé à balayer la terre. De ses profondeurs ont émergé des créatures incroyables connues sous le nom d'Esper. La brume a petit à petit dévoré la terre, ne laissant qu'une trace de pourriture derrière elle, alors que les Espers ont tout détruit sur leur chemin. De nombreux royaumes sont en ruine et de très nombreuses vies ont été perdues. Alors que tout espoir semblait perdu, tout s'est soudain arrêté. La brume a cessé de se répandre et les espers sont retournés dans leur profondeur impénétrable. Néanmoins, les gens craignaient que le danger ne revienne. Convaincus que la cause de cette horreur repose à l'intérieur du vortex, les gens ont commencé à s'aventurer à l'intérieur de la brume, espérant en tisser, en découvrir les mystères, en révéler les mystères. Avant que longtemps ne soit passé, un corps d'expédition officiel fut fondé pour explorer le vortex. Ils découvrirent très rapidement que c'était un passage entre différentes dimensions des mondes. Pour rassembler des informations, le corps d'expédition a recruté plus de membres. Des gens de partout sont venus vers Arta pour chercher la richesse, la gloire ou quoi d'autre que leur cœur souhaitait. Vous revenez à vous, avec mal à la tête. Devant vous se tient une forêt couverte de brume épaisse. Pleine de mystères, il en émane une aura de mort. Comment êtes-vous arrivé là? Essayez de vous souvenir. Mais vous êtes obligé d'arrêter de réfléchir lorsque vous entendez quelque chose qui bouge rapidement dans la forêt et qui vient droit vers vous. Puis, vous les voyez, des monstres hideux qui ressemblent à des cafards géants. Ces créatures dégoûtantes laissent échapper un hurlement terrible et semblent prêts à attaquer à tout moment. Ce sont clairement des ennemis, pas des amis. Il va falloir que vous les combattiez. Ok, donc les personnages effectivement parlent japonais. Ok. Alors, donc on va être sur... ouais, effectivement, au niveau de la DA, on est quand même sur quelque chose qui rappelle effectivement du Darkest Dungeon. Ça, c'est vrai. On a en bas une barre d'initiative. Bon, ça après, sur tous les jeux un peu typés tactical, on a ça. Alors, Analyze Status, c'est quoi? Sina, niveau 1, Shadow Blade. Ok. D'accord, donc on peut avoir accès à la feuille de personnage. On voit un score de critique, un score de toucher, un score d'évasion, je suppose. GRD, je ne sais pas. Speed 100. Spécialité et résistance. Donc ça a l'air d'être les compétences du personnage. Elle n'a pas d'armes, pas d'armure, pas d'accessoires. Ok. Est-ce qu'on peut voir les skills? Sting, vous faites des dégâts 100% de votre attaque sur un ennemi. Sting
Blasting Art, 200% de votre attaque sur un ennemi. Vous avancez d'une tuile. Ok. Ouais, on regardera tout ça plus tard. Alors pour l'instant, on peut se déplacer. Donc c'est notre personnage qui est là-haut. Hein. Il peut se déplacer, ouvrir son sac, utiliser ses compétences ou bloquer. Alors quelles compétences peux-tu utiliser ? Sting. Apparemment ça marche sur les ennemis des deux premières lignes. De ce que je vois, les ennemis sont en trois lignes. Et ça marche quand tu es sur la ligne avant ou la ligne du milieu. Apparemment, il y a trois lignes chez nous, il y a trois lignes chez l'adversaire. Sting est possible, Sting Hard est possible. Sting Hard fait beaucoup plus mal, ça te fera avancer. Snake Eyes, tu fais 80% de ton attaque sur un ennemi et tu as des chances de causer le stun. Oh, ça me plaît bien ça. Frappe dans le dos, 150% de dégâts d'attaque sur un ennemi. T'essaies de le repousser. Et jeter une bombe, tu fais des dégâts égaux à 40% de ton attaque sur les ennemis dans une, sur une colonne. Et des dégâts de dot égaux à 40% continuel égaux à 40% de ton attaque. On va essayer de faire un Snake Eyes. Alors, on va faire Snake Eyes sur ce monsieur, par exemple. Coup critique, 38 de dégâts. Ok. Lui relâche des fluides acides. Il renvoie 25% des dégâts. L'autre fait un coup critique. Avec un beau debuff de speed. Ok. Toi, tu m'as tout l'air d'être la healeuse, toi. Rend les points de vie d'un groupe de 80% de ton attaque. Redonne des points de vie aux membres d'un groupe d'une colonne sur 100% de ton attaque. Est-ce qu'il y a un coût pour tout ça? Parce que je vois pas. Ah, c'est of all party members. Ouais, bah du coup, on va faire plutôt Prayer of Love. Alors, tu t'es fait quoi, toi? Malheureusement, la souris ne donne rien. On ne sait pas. On n'a pas d'infos. Ah, pour avoir des infos, on fait comme ça. Ok, il a augmenté sa résistance au stun, sa résistance à la faiblesse. Lui, c'est 25% de reflect damage. Ok. Toi, qu'est-ce que tu sais faire? Frappe sacrée. Tu fais 100% de tes dégâts d'attaque sur un ennemi. Ça, je pense que tu peux pas le faire parce qu'il faut avancer d'une tuile. Vous voyez, effectivement, là, je pense que ce sont les positions où on peut le faire. Il y a effectivement trois lignes. Alors, lui appelle ça des colonnes, le jeu. Bon, moi, j'appelle tout ça des lignes. Et elle est sur la ligne la plus avant, donc la plus à droite. Et là, vous voyez, celle-ci, elle est faisable en ligne 2 et 3. Et Holy Bind aussi. Provoque, c'est un... Ça te met un debuff qui augmente les chances d'être attaqué de 70%. Ça te donne un buff de défense. Shield Shock, tu peux causer le stun. On va essayer ça. Alors lui, il a une résistance, hein, je crois, au stun. Ouais, il s'est augmenté de 50% sa résistance au stun. Donc on va éviter de faire un stun sur lui. On va peut-être du coup faire un simple Holy Smite. Lui faire des dégâts. Toi, du coup, si t'as quelque chose qui fait des dégâts sur une colonne, ça peut être intéressant, genre bombe toss. Parce que si tu fais ça, tu vas toucher les deux ennemis devant. Et tu leur mets un dot. Oh! Embuscade surprise. Hey, ça pique. Ah, en plus, il l'a fait avancer. Ok. Eh ben, dis donc. Alors, si je regarde, eux, ils ont Bleeding, c'est ça. En deux tours encore, ok. Toi, on a dit que tu avais un soin, Prayer of Love. Ah, de toute façon, Overflowing Love, tu peux pas le faire. Tu peux plus le faire parce qu'il faudrait que tu recules.
Donc il faudrait que tu utilises l'action move pour reculer. Ok. Pour l'instant, ce soin-là, de toute façon, est certainement plus intéressant. Parfait. Toi, tu vas me faire un shield shock sur le mec en bas. On va essayer de le stun. Voilà. Je suppose qu'il perd son tour quand il est stun. Toi, tu vas faire un sting classique sur celui-là-haut. Hein, tu vas essayer de l'achever. Voilà. Jusque-là, ça me va. Je comprends un petit peu comment c'est censé jouer. Alors lui, il est à fond sur le renvoi de dégâts, lui. Hein. Ah, la mana, c'est la barre grise en dessous. Ok. Et je pense, si j'ai bien compris, le coût des skills est indiqué là. Par exemple, là, elle a 70 en mana. Elle va passer à 55, c'est ça? Ok, bon jusque-là ça va, hein, je comprends. Par contre, du coup, contrairement à Darkest Dungeon, les personnages ont une barre de mana. Alors, lui, il a résistance au stun améliorée. Je pense que c'est comme sur Darkest Dungeon, un perso qui a subi un stun a une résistance au stun améliorée. Est-ce que toi, tu vas quand même pas lui faire un petit Holy Smite? On va essayer de le flinguer, hein. Tu l'as raté, c'est tristouné. Ça te fait rire, ma grande? De t'être fait savater comme ça? Alors, par contre, elle va bouger. Ah, elle peut se mettre là ou là. Ok. Ça change pas grand-chose. Alors, on va rester ici. Voilà, on élimine celui-ci, il nous en reste plus qu'un. Bon, c'est le premier combat du jeu, hein, mode tutoriel, tout ça, donc c'est pas un combat difficile, je suppose. Le problème, c'est que lui, il va renvoyer des dégâts. On va essayer de le stun. Et tu prends quand même les dégâts, le reflect damage, malgré le stun. Tu vas aider tous tes potes. Bon, les voix, j'avoue, les voix en japonais, c'est chaud, quoi. Hop, toi, tu vas essayer de taunter. Toi, est-ce que tu prends le reflect damage? Non, tu prends pas le reflect damage sur une AOE. Et t'as raté ton AOE. Oh, 54 damage! Hey, ça pique! Tu vas te mettre là cette fois-ci, toi. Bon. Le mec, il a décidé qu'il en a rien à foutre de ton provoque, mec. Alors, on va lui tabasser la tronche. D'autant qu'il n'a plus de... On va essayer de le stun. Il n'a plus de renvoi de dégâts. Voilà. Alors, lequel est le heal le plus puissant? Celui-ci, ça tombe bien parce que de toute façon, le paladin devant n'a pas besoin d'être soigné, les deux derrière, si. Raté, encore. À mode Darkest Dungeon, effectivement. Allez, on va essayer de le stun, hein. Voilà. On va stun un round sur deux. Toi, tu peux healer tout le monde, bah tu vas le faire. Voilà, éliminé. Après avoir vaincu les monstres, vous vous sentez fatigué. Mais c'est pas le temps le moment de se reposer. D'autres viennent. Les ennemis continuent à surgir de l'ombre, enfin de la brume. Tant et tant que vous n'avez aucune chance. Vos yeux commencent à regarder. Est-ce la fin? Soudain, un groupe d'hommes armés apparaît. Ils attaquent les monstres à coups d'épée et de lance. Revigorés,
Vous foncez pour vous battre à leur côté. En quelques instants, les monstres sont tous morts ou mourants. Vous blessez? Un de vos sauveurs, peut-être le chef, s'avance vers vous. Pourquoi vous promeniez-vous dans ces terres? Vous essayez de répondre à sa question, mais vous n'y arrivez pas. Vous réalisez que vous avez perdu une partie de votre mémoire. Ah, vous vous souvenez pas pourquoi vous êtes là? Vous devez être un des disparus. Franchement, le doublage en japonais, moi, ça me fait bizarre. Nous en trouvons de temps en temps des gens sans souvenir qui errent aveuglément dans la brume. Nous les appelons les disparus. La perte de mémoire est variable. Certaines personnes oublient des choses tout à fait différentes. Dans votre cas, vous ne vous souvenez pas les raisons de votre présence ici. Retournons en ville d'abord. C'est trop dangereux de rester ici dans la brume. Suivez-moi et nous parlerons une fois en sécurité. Vos sauveurs commencent à partir. Vous décidez qu'il vaut mieux les accompagner pour l'instant. Vous quittez le vortex et abordez sur un petit bateau. Après avoir navigué pendant un bon moment, vous atteignez un port. Une ville plutôt déprimante, qui fait quand même furieusement penser au hameau effectivement Darkest Dungeon, se tient devant vous. Et au loin, vous voyez un énorme vortex. Bienvenue Arta, c'est l'endroit que le corps d'expédition appelle la maison. Ce serait une bonne idée d'aller voir le duc Heinrich pour commencer. Il est actuellement en charge des affaires d'Arta. Alors on va au bureau, hein. Vous arrivez vers un manoir sombre. Votre escorte appelle quelqu'un et une femme élégante sort. Votre escorte lui explique la situation. Elle hoche la tête et vous fait un sourire. C'est tellement un plaisir de faire votre connaissance. Vous pouvez m'appeler Stella, je suis l'assistante du duc Heinrich. Sa grâce est à l'intérieur. Venez, c'est par là. Stella vous mène dans une pièce au sommet de la résidence. Bien qu'il y fasse très sombre, vous devinez la silhouette d'un jeune homme à l'air noble. Bienvenue dans ma résidence, guerrier. Je suis Heinrich, héritier de la famille Wallenstein. Cet ancien livre des prophéties est dans notre famille depuis des générations. Je pense qu'il contient la clé qui permettra de sauver notre monde de la destruction. Ainsi, fais-je de mon mieux pour en déchiffrer le contenu. On m'a dit que vous faites partie des disparus. Vous souvenez-vous de quelque chose? Votre mémoire vous fait défaut, comme un fil qui viendrait d'être coupé. Ce brouillard n'est que mal pur, corrompant les souvenirs humains. Plus vous y êtes exposé, plus vous oubliez. Bien, nous ne pouvons rien y faire pour l'instant. Que diriez-vous de rejoindre le corps d'expédition jusqu'à ce que votre mémoire vous revienne? Sans votre mémoire, ce sera difficile pour vous, en tant que recrue, mais nous promettons de vous aider pour retrouver vos souvenirs. On va accepter la requête, hein. Premier pas de l'expédition. Explorer plus de 80% de la forêt brumeuse et revenir. Acceptez-vous cette requête? Oui. Ainsi vous voulez servir dans le corps d'expédition. Bien, il est temps que vous partiez sur votre première mission. Nous avons besoin de quelqu'un pour fouiller une dimension très profonde. Et pour faire cela, il va vous falloir vous entraîner dur et devenir plus fort. La forêt brumeuse semble être le bon endroit pour commencer. Ça semble être la bonne difficulté pour des nouveaux comme vous. C'est le tout premier endroit que nous avons découvert. Malgré sa taille, chaque chose vivante là-bas pourrit. Même le sol est maudit. Alors ne baissez pas votre garde. Nombreux sont les hommes qui sont morts dans les profondeurs de cette forêt. À partir de maintenant, Stella vous donnera de nouvelles tâches. Je vous souhaite bonne chance dans votre expédition. Laissez-moi vous guider
dans le processus de l'enregistrement. Pour servir, vous devez visiter le centre d'expédition et enregistrer votre équipe. Vous pourrez alors y recruter des membres. Duke Heinrich a aussi préparé de l'équipement qui sera utile dans vos voyages. Après vous être enregistré, assurez-vous de vous arrêter à l'échoppe pour récupérer tout l'équipement. Alors, nous devons aller nous enregistrer au centre d'expédition. Regardez-vous, pas de personnalité, pas de courage, rien. Sortez d'ici. Après avoir été engueulé par le vieil homme, le soldat fuit. Hein? Et vous êtes qui? Est-ce que ce vieil homme est saoul? Il pue l'alcool. Et vous voyez quelques bouteilles vides sur la table à proximité. En réponse à sa question mal polie, vous lui dites que vous êtes venu ici à cause du duc Heinrich. Le duc lui-même vous envoie ici? Alors vous êtes les nouvelles recrues, hein? Mais vous feriez bien d'être 100% sûr de ce que vous faites. Sinon, il faudrait mieux abandonner. J'ai vu trop d'imbéciles foncer dans le vortex, être apeurés et essayer de fuir alors qu'il était déjà trop tard. Comme cette espèce de chaton qui vient de fuir d'ici. Mais bon, si c'est Heinrich qui vous a envoyé, je ne peux ignorer sa requête. Je vous enregistrerai au corps d'expédition. Le vieil homme n'a accepté d'obéir qu'après avoir réfléchi un long moment. Et il n'a pas l'air d'être très ravi de l'avoir fait. Je suis Mark, commandant du corps d'expédition. C'est le centre d'expédition. L'endroit d'où le corps d'expédition lance des explorations dans le monde du Vortex. Que diriez-vous de choisir un nom déjà pour votre équipe? Entrez le nom de votre corps crew. Parce qu'on va être très très très... Ah bah on peut pas. Je vais l'appeler Battle Brothers, mais on va les Battle Bros, hein. Parce qu'on va être très 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 imaginatif. Battle Bros, hein. Ouais, pas mal. La prochaine étape est de recruter des membres qui vous rejoindront. Utilisez recruter pour bâtir votre truc. Alors, vous pouvez recruter des membres pour un prix raisonnable. Nous avons 10 000 pièces d'or, c'est 500 pièces d'or le membre. Ok. Selon leur profession, chaque membre, ou son sa profession du coup, chaque membre a différentes expéditions et différentes compétences de combat. Même les membres d'une même profession ont des compétences de combat différentes. Durant l'exploration, des membres prisonniers du corps d'expédition peuvent être secourus et recrutés. Conduire des recherches au laboratoire de soutien permettra de recruter plus de membres de haut niveau lorsque vous serez vous-même de haut niveau. Recrutons d'abord tous les membres disponibles. Véronica, Laileuse. Son Maka. Grim Reaper, la faucheuse. Glinda, la sorcière. Magicien qui a contracté le fléau des sorcières lors de son âge tendre. Elle a de grands pouvoirs magiques, mais ceux-ci disparaîtront lorsqu'elle deviendra une adulte. Son but est d'essayer de retenir ses pouvoirs le plus longtemps possible. Azera, transformée en machine à tuer par l'ordre des assassins, qui aujourd'hui a disparu. Cela fait des années qu'elle vit pour le meurtre et par le meurtre. Entraînée à obéir aux ordres sans question, elle ne sait pas vraiment quoi faire maintenant. Et enfin, Jeanne, notre paladine. Fière chevalière de l'ordre de la croix, maudite par un démon,
Elle est à jamais piégée dans une forme enfantine. Elle déteste être petite et un jour espère dispeller sa malédiction pour redevenir normale. Ah, c'est rentré japonais quoi, c'est des enfants et beaucoup de filles, hein, vos personnages, hein. C'est effectivement, c'est voilà quoi. Vous n'avez aucune idée des terreurs qui vous attendent, mais vous le découvrez assez vite. Ce vortex, ce pilier du désespoir, est localisé sur une île près d'ici. Allez-y en bateau, vous y serez en rien de temps. Il faut qu'on prépare le port pour votre départ, mais avant cela, assurez-vous de rendre visite à la boutique. Ils auront l'équipement dont vous aurez besoin pour cette mission. Hein? Oh, je suis de retour. Quel ennui. Hé, Lenny, tu te balades pas en train de créer des problèmes à tout le monde encore, hein? Oh, t'es mal poli. J'ai pas perdu ça volontairement, hein? Allez. Ouais, bon, tais-toi, ou je te renvoie du corps d'expédition. C'est qui, eux? Des débutants? Des nouvelles recrues recommandées par le duc Heinrich. Ils étaient juste prêts à partir en expédition. Ouais, je pensais bien, hein. Regardez comme ils ont peur. Désolé, j'ai oublié de me présenter. Je suis Lenny, du corps d'expédition. C'est-à-dire qu'on est des collègues. Alors dites-moi, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous aiderai à devenir un grand guerrier. Occupe-toi de tes affaires, Lenny. Et vous, recrue, l'écoutez pas trop. Ou elle vous causera que des ennuis. On peut voir le recruited crew. Si on veut faire manage, ouais, on arrive sur la fiche de personnage quoi. Ok. On va sortir, on va aller au shop puisque c'est là qu'on est censé aller. Oh voilà. Je vous ai jamais vu. Vous êtes nouveau. Maintenant que j'y pense, je me semble que sa grâce a mentionné que de nouvelles recrues du corps d'expédition viendraient ici. Ravi de vous rencontrer, je suis Marie. C'est moi qui ai la seule boutique à Arta qui fournit toutes les fournitures nécessaires pour le corps d'expédition. J'ai tout ici. Des médicaments pour soigner vos blessures, des épées, des flèches pour battre les monstres. Il y a beaucoup de choix. Alors regardez bien. J'achète aussi ce que vous avez. Alors si vous trouvez des choses durant votre expédition, vous pouvez toujours me l'amener et je vous en donnerai un bon prix. Et ce sont les objets que sa grâce souhaitait que je vous donne. Vous les trouverez très utiles sur la première expédition. Certains d'entre eux ont été contaminés par la brume. Mais même s'ils ont l'air un peu pourris, bon, vous pouvez toujours les utiliser ou les manger. J'espère que vous rendrez souvent visite. Alors, on pourrait acheter de la nourriture. Ouais, avant de partir en expédition, c'est... voilà, quoi. Pour l'instant, on a 3 potions, déjà. On a 3 food. On va acheter de la food. Les seeds, ça, c'est des torches. On va acheter des torches. On va acheter des bandages. Qui permettent de soigner le saignement et de l'eau purifiée qui permet de soigner les debuffs et les crowd control. Ok. Ah, se rencontre à nouveau. Vous tournez, voyez Lenny qui approche, a l'air d'être de bonne humeur. Vous êtes les nouveaux que je viens de voir au centre d'expédition, hein. Vous partez sur votre première expédition, n'est-ce pas? Vous pouvez être excité. Vous voulez un conseil? Il y a un vieux dicton qui dit qu'il vaut mieux être un âne vivant que la peau d'un dragon mort. Alors, si vous sentez que vous êtes trop en danger, fuyez. Pourquoi avez-vous rejoint le corps d'expédition? L'argent? La gloire? Je suis venu ici parce que je cherchais ma petite sœur, dont j'ai été séparé il y a des années. Mais à quoi ça servirait si je me faisais tuer, hein? C'est pourquoi il est toujours important de ne pas trop risquer votre vie, quelle qu'en soit la situation. Si vous survivez, il y a toujours une seconde chance. Vous êtes mort? Ah bah, il n'y en a plus. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire.
Bonne chance en première expédition. On se revoit plus tard. Chaque semaine, un donjon différent s'ouvre dans chaque zone. Les donjons ont des noms différents, des tailles et des niveaux de monstres différents. La récompense varie. Vérifiez la description des donjons disponibles et évaluez les membres du corps expéditionnaire que vous avez pour décider quel sera le meilleur donjon à nettoyer. Bon, pour l'instant, on n'a que Misty Forest. Hein. On a Dense Forest ou Burnt Forest. Mais ça, c'est un donjon médium, c'est un donjon small. En récompense, on aura disponible, on aura une robe pour le Grim Reaper et un accessoire. De toute façon, c'est ce qu'attend qu'on fasse le jeu, hein. Donc on va partir là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on change? Quand vous créez un groupe, il est très important de considérer la position de chaque membre de l'équipe. Leur position affecte les skills qu'ils peuvent utiliser et les bonus de stats qu'ils ont. Alors choisissez avec sagesse. Plus haut est le niveau d'un membre du corps expéditionnaire, plus il consommera de luminosité et de nourriture durant une expédition. En réussissant des recherches au laboratoire de support, vous pourrez augmenter les niveaux disponibles de luminosité et de mangeage, je suppose. Alors au milieu, on va mettre qui? La Witch. Devant, on va mettre la Paladine. Là, on va mettre... Alors je sais, normalement, il faut regarder les détails, regarder les skills. Donc vous voyez, c'est quelqu'un... qui va être bien en position 2 par exemple. Donc là en position 2 on va la mettre elle. Ici on va mettre la healeuse, je pense. De toute façon c'est comme sur Darkest Dungeon, vous voyez. Vous avez ici des carrés qui indiquent les meilleures positions pour ce personnage. Et là les positions des ennemis préférés. Donc lui sera bien le Grim Reaper en position 1 ou 2. Alors elle est bien en position 2 ou 3. Lui en position 1 ou 2. À la limite, elle, on va l'enlever. On va mettre ici Veronica, Sister. Derrière, on va mettre Glinda, la Witch. Bon, la Witch, elle tape surtout sur les gens en position 2, par contre. Hein. On va plutôt à ce moment-là la mettre là. Glinda la Witch, et ici devant, on va mettre Maka le Grim Reaper. Ok. Alors, on va prendre le sac d'expédition. On va... Alors, la nourriture nécessaire pourra vous assurer que vous arriverez à la fin de l'expédition sans mourir de faim. Notez que vos points de vie peuvent tomber si vous n'avez pas assez de nourriture. Si vous avez assez de nourriture, vous pouvez même récupérer des points de vie. Oui, bon, Darkest Dungeon, quoi. Les fleurs de lumière... peuvent récupérer de la luminosité et augmenter le champ de vision de votre équipe. Quand le champ de vision est assez grand, vous pouvez trouver des périls cachés, hein, tels que des monstres. Une potion rend immédiatement des points de vie. Puisque c'est votre première expédition, nous vous recommandons de prendre 3 nourritures, 3 potions et 3 seeds que Marie vous a fournis. Au moins, prenez un de chaque. On va tout prendre, hein. De toute façon, je veux dire, on en a acheté. Hein. Voilà. Il est maintenant temps, du coup, de... Alors, chaque pas va nous coûter 4 unités de fullness et 4 unités de lumière. Notre formation nous donne un bonus en critique, en évasion et en GRD. Je ne sais pas ce que c'est que GRD. Peu importe. Press and hold the button to start expedition. Ah, il faut appuyer sur C de manière durable. Ok. De manière prolongée. Voulez-vous suivre le tutoriel d'expédition? Oui. Oui. Alors... je sais pas ce que c'est cette chose en dessous. Voulez-vous activer la fleur de lumière?
Les points de vie de votre groupe baisseront légèrement. Vous pouvez retrouver de la luminosité avec des light flowers, mais elles ne resteront que partiellement le niveau de luminosité. Vous en rencontrerez en donjon, elles ne brilleront pas au début. Vous pouvez les activer au prix d'un peu de points de vie. Les fleurs illuminées resteront de la luminosité lorsque vous les toucherez. Il n'y a pas beaucoup de light flowers dans le donjon. Alors quand vous les rencontrez, assurez-vous de vous souvenir de leur localisation. Si quelque chose bloque votre chemin, vous devriez d'abord essayer de voir ce qu'il y a derrière. Si quelque chose d'important est juste au-delà d'un obstacle, il faudra le détruire, même si vous risquez de perdre des points de vie. Si vous avez un paladin dans votre groupe, elle peut détruire les obstacles sans perdre de points de vie. Chaque membre d'équipage a ses propres compétences d'expédition. Pour en savoir plus, consultez la description de vos membres. Utilisez Change Leader pour changer de personnage, puis choisissez votre paladin et essayez Crush Obstacles. Alors, là c'est déjà le leader. Donc l'obstacle est surligné en rouge, donc faire Crush Obstacles. Ok. Vous pouvez avancer vers le haut, vers le bas, la gauche, la droite, et également en diagonale. Chaque action consomme de la fullness, donc en gros de la nourriture, quoi, et de la luminosité. Alors, vous devriez choisir vos pas précautionneusement. Vous pouvez essayer de bouger en diagonale pour être plus efficace. Comment est-ce qu'on... ACD plus... Ok, d'accord. Bonjour en diagonale à cause d'un obstacle. D'accord. Nous sommes suivis. Il y a un monstre là-bas devant. Il y a divers monstres cachés dans les donjons. Selon leur type, ils vous suivront ou fuiront. Vous devriez être capable de distinguer les monstres en fonction de leur apparence, mais voici quelques trucs à garder à l'esprit. Un monstre tué ressuscite après un certain temps. Les monstres ressuscités seront gris et auront un aspect différent. Les tuer ne rapportera plus aucune récompense. Alors assurez-vous de ne pas gaspiller d'énergie sur des batailles inutiles. Les monstres avec des niveaux plus faibles que ceux de votre équipe apparaissent plus petits en taille. Plus ou moins souvent, les monstres qu'on vous demande de tuer essaieront de vous éviter. Bon, les monstres attaquent d'abord. On va prendre le battle tutoriel. Hein. Lorsque vous rencontrez un monstre, un bonus de vitesse sera donné au groupe qui initie la rencontre, ce qui initie leur chance d'attaquer en premier. Cela dit, cela ne garantit pas d'attaquer le premier. Tout cela dépendra de votre compétence de vitesse. Alors que le niveau de luminosité baisse, il y aura aussi plus de chances que votre formation casse si un monstre attaque en premier. Pour une bataille plus efficace, soyez le premier à approcher et engager le monstre. Ok. Ok, on vient de se prendre une méga baffe. Une deuxième méga baffe. Bah, voyons, ça commence bien. Certaines compétences appliquent des effets positifs ou négatifs pendant un certain nombre de tours. Pressez le bouton Analyze Turn pour en savoir plus. Vous pouvez aussi vérifier les statistiques et compétences de la cible sélectionnée en appuyant sur Details. Ok. Toi, tu vas faire un punishment. Pour l'instant, on va pas partir sur du soin. On va faire un punishment sur lui parce que ça consomme pas de mana. L'attaque de base consomme pas de mana, mais toi on va quand même te faire stun ce monsieur. Toi tu as quoi? Une attaque 100%. Wind Cutter. Ouais, toi t'es mieux en deuxième position en fait, hein. Ça touche les ennemis en colonne, et ça te donne un buff de vitesse. Tu fais 40% des dégâts d'attaque sur les ennemis sur une colonne et tu fais un dot. On va plutôt partir là-dessus, sur la première colonne.
Un Grim Reaper a besoin de points d'esprit pour utiliser ses compétences. Au début d'une expédition, le nombre de points d'esprit du Grim Reaper est de 5. Il augmente de 3 façons différentes. Une récupération graduelle chaque tour. Lorsqu'il subit un coup critique d'un monstre ou lorsqu'il tue un monstre et récolte son âme. Vous pouvez accumuler jusqu'à 5 points d'esprit. Vous gardez les points d'esprit que vous n'avez pas utilisés après la fin d'une bataille. Notez que ces points d'esprit ne sont pas les mêmes que les points de compétences utilisés pour améliorer vos skills en ville. Qui donne une récupération d'un point d'esprit, un buff de vitesse de 25. Tu fais des dégâts équivalents à 150% de ton attaque sur un ennemi. Et tu as 25% de chance, enfin 85% de chance de lui mettre 25% de réduction des chances de toucher, chance d'évasion. Ça coûte 2 points d'esprit. On va mettre sur lui là. Curse Concentration, si on peut lui mettre un debuff aux chances de toucher. Et toi? Peut être un shield. Et tu peux essayer de repousser un adversaire. Tu vas te mettre en shield. Ça après tu essaieras de faire le taunt au prochain tour. Voilà, c'est le shield qu'a mangé et il a mis, ça c'est parfait. Voilà, on élimine celui-ci. Celui du bas, il était stun. Bon, on va commencer à penser à faire du soin. Toi, tu vas te donner un buff de régène de spirit. Et toi, tu vas faire un provoque. Tu vas augmenter les chances qu'on t'attaque. Vu que tu t'es mis un shield, ce serait bien qu'on t'attaque toi. Quant à toi, tu vas faire une attaque de base sur celui-ci. Logiquement, au prochain tour, il va mourir du saignement. Alors, toi, tu fais un Curse Concentration sur lui derrière. C'était tout à fait satisfaisant la première fois. Pas de raison de ne pas le refaire. Ok, le saignement se fait à la fin du round. D'accord. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est un plaisir masochiste. Du coup, on va plutôt faire move. Le problème, c'est qu'elle n'aura pas le temps de soigner. Le mob va être mort avant, je pense. Oh, il joue pas. Ok. Du coup on va faire bloc sur les manas seront restaurés enfin vous regagnerez 20 points de mana si vous bloquez. D'accord, donc bloc ça permet de restaurer de la mana. Donc toi tu vas régénérer des points d'esprit parce que j'aimerais faire un soin en fait avant de le tuer. Voilà, lui il a tapé sur le shield, il a blessé personne. Ah, toi tu n'as pas le soin à eux. Ah, bon bah du coup tu vas soigner qu'une personne. Tu vas te soigner toi. Hein. D'accord. Ok, bah écoute, on va essayer de finir le dernier. Voilà, tu prends quand même les dégâts de Retaliate alors que tu attaques à distance. Ok, pas très malin ça. Alors, nous avons gagné une seed. Vous pouvez gagner du loot en gagnant des combats, en ouvrant des coffres ou en fouillant des piles de débris. Ce loot peut inclure de la nourriture qui vous aidera dans votre expédition, de l'or ou de l'équipement utilisé plus tard. Si vous voulez équiper les objets que vous avez trouvés, il faudra rentrer en ville d'abord.
Il y a un espace limité dans votre sac. Quand il est plein, vous devrez soit utiliser, soit défausser les objets dont vous n'avez pas besoin. Alors, la position de chaque membre peut avoir changé durant le combat. Vous pouvez utiliser Shortcuts ou Change Formation pour restaurer votre formation originale. Si vous avez plus que 1 en bouffe, vous pouvez regagner des points de vie en passant un tour avec Wait. Chaque tour que vous attendez, vous perdrez de la nourriture. Si votre nourriture arrive trop bas, ouvrez votre sac, utilisez une nourriture ou une potion. Si vous avez été sérieusement blessé et que vous n'arriverez pas à soigner l'expédition, vous pouvez fuir et vous aurez une pénalité. Un membre du groupe saigne. Oui, c'est Glinda. Mais bon. Certaines compétences appliquent des effets positifs ou négatifs. Tu me l'as déjà donné, dit mec. Tu vas me faire un petit crush obstacles. Du coup, Glinda, elle a. Ah oui, tu regagnes 3 points de vie par case que tu explores. Le problème, c'est que là, on a clairement des vilains. Alors, nous devons explorer 80% de la forêt. Nous sommes pour l'instant à. Alors, à 17. Chaque donjon est comme un labyrinthe. Il sera difficile de naviguer sans regarder la carte. En explorant le donjon, utilisez régulièrement la carte pour vérifier la localisation de votre groupe. Les monstres attaquent les premiers. Ah, on va s'en prendre plein la tronchetta là, ça va pas plaire. Alors, lui a une chance de contre-attaque. Est-ce que t'as une AOE toi? Non, hein. Tu peux voler un buff. Tu vas mettre ça sur lui. Tu réduis ses chances de toucher. Par contre, est-ce qu'on peut savoir quel ennemi a joué, quel ennemi n'a pas joué? On va essayer de stun un petit peu. Résistance au stun. Oh, ça c'est fâcheux. Est-ce que tu as quelque chose sur une colonne, toi? Ouais, ça. Hop là, tu t'es payé un miss. Toi, tu vas remettre une armure. Et toi, tu vas healer la magotte qui avait déjà perdu pas mal de points de vie. Alors, la magot, tu fais quoi? C'était intéressant la première fois, ton AOE. Elle est pas énorme, mais. Par contre, les debuffs ne stack pas. Apparemment, tu. Tu rafraîchis juste la durée des debuffs. Ok. Tu peux devenir inattaquable. Ouais. On va essayer de le stun lui, hein. On va y arriver à un moment donné. Non, ça fait 2 fois qu'il fait un stun raise. Hein. Je peux pas être méchant, mais. Oh, le Grim Reaper, t'as réussi à éviter beaucoup d'attaques pour l'instant, c'est bien. C'est très bien, continue comme ça, mec. Parce que là, on en prend plein la tronchetta. Oh, la healeuse, elle a pris cher, elle, par contre. Ouais, elle a pris très cher. Toi, tu fais provoque. Tu vas essayer de tanker un peu tout ce petit monde. Toi, tu te soignes toi-même, s'il te plaît. Tu as besoin d'amour. Ah, il a réussi à bloquer une partie des dégâts. Ah, il nous a mélangé. Voilà, on en élimine un parce qu'il faut vraiment qu'on s'y mette là, les gars.
Lui, il est stun, c'est bien, parce qu'on a pris beaucoup trop de stun res, là, pour l'instant. Ça fait pas plaisir. Ok, toi, tu tapes dans le bouclier. Ça me fait très plaisir, par contre. Toi, tu mets ton debuff à la con, mais bon, je peux pas y faire grand-chose. Voilà, lui, on l'élimine. Comme ça, c'est fait. Est-ce qu'on a perdu beaucoup de... On n'a pas perdu tellement de vie, je crois. Si lui on peut le stun, c'est... Ah, stun res, fais chier avec stun res. T'as raison, tape dans le shield, ça m'arrange. Ok, il y a le dernier, mais le dernier, il s'est mis un buff de renvoi des dégâts, par contre. Toi, tu vas faire ça, collect spirit, ok. Tu te mets un buff sur toi pour régénérer un peu plus tes points d'esprit. Toi, c'est ton shield qui va prendre le renvoi de dégâts, c'est pas très grave. Toi, par contre... Ah, c'est la healeuse qui est mise là. Voilà, on va healer la paladine. Toi, tu vas essayer de voler la chance. Enfin, tu vas essayer de voler un buff. T'as réussi à lui voler son buff de renvoi de dégâts. Riche idée. Si on le stun, c'est bonnard. Ah, oh, stun, res, fait chier. Ok, t'as... bleed. Tu te l'enlèves. D'accord, donc quand tu t'enlèves un saignement, ça te passe ton tour. Ah, c'est pas comme sur Darkest Dungeon par contre. Hein. Ok. Victoire. Ok, 653 gold. Regardez là-bas, un endroit, dans un coffre, dans un endroit comme celui-ci. Vous pouvez faire l'acquisition de nouveaux objets en ouvrant un coffre. En explorant les donjons, imaginez que ce sont des coffres à trésors. En ouvrant pour ouvrir un coffre, il vous faut une clé. Alors d'abord, il faut trouver la clé avant d'essayer d'ouvrir les coffres. Pour ouvrir différents types de coffres, il vous faut les clés qui correspondent. Si vous avez assez de chance, vous pouvez trouver des objets utiles pour votre expédition en fouillant dans des débris. Si vous voyez des débris, assurez-vous de les fouiller. Mais gardez l'esprit que les débris ont l'air différents à chaque donjon. Alors on trouve un Purified Mist. Pourquoi pas. On trouve un coffre avec encore du Purified Mist. Ok. Alors, là-bas il y a un monstre qui a l'air pas sûr de vouloir nous combattre. Voulez-vous compléter l'expédition ou rentrer en ville? On n'a pas fini encore. Il faut qu'on arrive à 80, vous voyez. Alors, il faudrait qu'on utilise du food pour gagner de la fullness. Et une seed pour gagner de la luminosité. Ok. Oh, la prise en main est très agréable, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup ce jeu. J'ai un peu peur que le côté JRPG comme ça me déplaise fortement, mais pas du tout. Je dirais pas que je suis fan, mais j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bon, après, ça me rappelle effectivement beaucoup Darkest Dungeon. Hein. C'est le même type de gameplay, hein. Je veux dire, voilà. Alors, par contre, la carte. On la voit où, la carte? C'est S. Donc il faut que j'explore 80% de ce donjon. Hein. Bien, bien, mais écoutez, pourquoi pas. Cet ennemi ne veut pas
nous affronter. Un journal de succès augmente votre acquisition d'expérience. Pas l'utiliser ça? Bon. Ouais, beaucoup de monstres qui sont optionnels, visiblement. Oh, on n'a plus beaucoup de bouffe, hein. Il va falloir qu'on mette un coup de boost sur la bouffe là. Ouais, le jeu me prévient. Si vous avez moins de 1 en bouffe, vous perdrez de la vie. Ok, il faut pas que ces valeurs arrivent à zéro, quoi. J'ai compris, les gars, j'ai compris. Ça, je peux prendre pour monter à 400. Voilà. Ok. Alors, j'ai fait combien de cases? 45 sur les 80 qu'il faut faire. Oh. Là par contre, il y a un monstre qui veut nous attaquer. Les monstres attaquent au premier. Encore? Oh! Oh, il a l'air gros le premier, j'aime pas ça. J'aime pas le gros là. Ah oui, il pique! Oh l'enfoiros! Mettre enfoiros sur son arbre perchos. Par contre. Il a combien en résistance au stun? 31. Ça va, c'est pas encore énorme. Donc on peut essayer de le stun lui. Parfait. On la magote. On va donner 25% d'évasion sur cette ligne. Ça pourra pas faire de mal. Hein. Ah, ça t'a mis là-haut. Ok. Toi, tu peux pas utiliser tes curses. Toi, tu vas refaire ton armure divine. Toi, tu vas donner un peu d'amour à ton pote là à côté qui en manque hein, apparemment. On va essayer de buter le gros d'abord. Bon, il prend les dégâts, hein, ça va. Toi, tu vas te mettre ton buff de régène de points d'esprit parce que t'as l'air d'en perdre vite des points d'esprit, mon grand. Toi, tu fais provoque, classique. Toi, t'as pas de soin à faire, donc tu vas faire un petit punishment sur lui, hein, c'est très bien. Tu lui as volé sa résistance au stun. Bon, par contre, vous l'avez laissé avec genre un point de vie, quoi. Voilà, c'est mieux. Ah oui, 17 dégâts de... Ah merde, j'avais pas fait attention. Toi, c'est dans le bouclier que ça tape, c'est pas très grave.
Donne les membres d'une colonne un bouclier qui recovers damage. Oui. Plaisir masochiste, en fait. T'as plus de chance, t'as, pardon, d'être touché, mais ça pompe dans tes malas quand tu te fais toucher. Va essayer, hein. Plaisir masochiste sur elle. Alors toi, faut que tu essayes de voler son buff de reflect damage. Tu l'as volé. T'as pris les dégâts, mais t'as pris trois fois rien. Toi, c'est dommage que tu l'aies raté. Ça m'aurait assez plu. En fait, quand vous avez une contre-attaque sur un perso, c'est que ça augmente sa vitesse pour qu'il puisse rejouer plus vite. Alors, mais arrêtez de le rater! Ah, quand même! Bon, faut que je remette la position à jour du coup de Jean. Une arme pour Onmyuji. Ok. C'est où la... Restore Formation. Ok. Bon, j'ai plus de bouffe, hein, donc il va falloir penser à finir ce donjon. On est à 63 sur 80, donc ça va. Ah, il faut une golden key. Il faut une wooden chest. Ah! En fait, je vais passer en diagonale, je pense. Alors, Forest Okinaiden, c'est une arme. Et Forest Sharp, un accessoire, ok. Quelque chose au sol. Alors, on est à 75 sur 80, donc je pense qu'on va bientôt pouvoir les diriger vers la sortie. C'est S pour la lumière. Parfois, dans les donjons, vous serez contaminé. Vous trouvez des objets contaminés. Ils ont une chance de causer des effets secondaires. Si vous continuez votre expédition alors que vous manquez de nourriture ou de luminosité, vous vous mettez dans un risque de rencontre de monstres ou de souffrir des dégâts. Si vous utilisez des objets contaminés, vous avez le risque de produire des effets adverses. Ah! En fait, on a ramassé des objets contaminés. Et du coup, Véronica, elle a été... Bon, on est à 80 sur 80 au niveau de l'exploration, on a fait le taf. On pourrait aller chercher les autres coffres. Malheureusement, on n'a plus assez de bouffe. Oh oh, et puis on se prend des monstres. C'était pas prévu ça, au programme. Bon, toi tu fais classique, hein, l'armure, et puis après tu feras provoque, parce que jusque-là ça marche plutôt bien. Alors on va réduire ses chances de toucher à lui. Résistance au saignement, c'est très bien. Alors toi, tu vas me faire ton AOE sur la ligne arrière là.
tu mets un petit dot de saignement sur tout le monde. Toi, tu vas essayer de stun. Celui-ci qui a du buff là. Stun raise. Oh, soul. On n'a pas perdu beaucoup de points de vie. Donc toi, t'as pas vraiment beaucoup d'autres raisons que de faire autre chose que ça. Voilà, taper dans le shield, il est fait pour ça. Voilà, encore un petit AOE. Donc celui du bas va mourir après son prochain tour, quoi qu'il arrive. On va essayer de stun. Est-ce qu'on va pouvoir éviter le stun raise? Ouais. Ok, lui va me saouler. Lui va mourir, mais j'ai pas envie qu'il joue en fait. Donc voilà. Toi, tu vas essayer de baisser les chances de toucher de celui-ci. Toi, tu vas me faire une provoque. Aïe! Ah, il a amené au premier. Ça, c'est pas cool parce que l'autre est moins efficace en première ligne. Comme eux ils saignent, c'est pas la peine de leur remettre le saignement. Hein. Tu refais une AOE qui donne un buff de speed, c'est pas plus mal. Voilà, tape dans le bouclier, il est fait pour ça. Bon, là par contre, il n'y a plus de bouclier. Oh, le coup critique qui pique! Donne un peu d'amour à ta paladine, toi. Merci. Il faudrait que je fasse Stealing Luck. Je pense que je n'ai plus assez de points d'esprit pour le faire. Toi, tu te caches. Toi, tu vas remettre ton bouclier. Toi, tu vas mettre ton AOE. Ah, tu prends quand même le reflect damage. Ok. Stealing Luck, si tu peux lui voler son reflect damage, c'est bien. Merci. T'as pris 10 points de reflect damage, mais c'est pas très grave. Vu que là, on va quitter le donjon. Donne un peu d'amour à lui là-haut qui a pris un peu plus cher que les autres. Et maintenant on va achever le dernier. Tu vas sortir de l'invisibilité mais tu vas mourir. Enfin tu vas tuer l'autre quoi je veux dire. Voilà. Ok. On a atteint un objectif pour moi hein, donc on quitte. Expédition terminée, 1020 gold, 380 XP. Vous pouvez garder votre loot en quittant votre donjon par la sortie. Les membres de l'expédition qui ont accumulé assez d'expérience vont gagner un niveau et gagner des skills, coop ou jinx. Nous avons fait 219 pas, tué 13 monstres, 33 minutes, ok. Item conservé. Des consommables dans vos sacs ont été contaminés par la brume. On a gagné Purified Mist, Journal of Success, Journal of Fasting. Ok. Cet objet mystérieux est l'horloge du jour du jugement dernier. Elle visualise le temps qui reste jusqu'à la fin du monde. Plus vous arrivez à vaincre de monstres, allumer de fleurs de lumière, ouvrir de coffres à trésors et de débris en donjon, plus vous gagnez de temps pour vos aventures. Par ailleurs, les activités en ville, les expéditions et les batailles affectent aussi le mouvement de cette horloge. Si vous ne faites pas votre mieux dans votre voyage, l'horloge va avancer plus vite.
Explorez chaque recoin des donjons de la manière la plus efficace possible et n'abandonnez jamais. En fait, par rapport à Darkest Dungeon, je pense que c'est un jeu qui va être beaucoup plus, non pas sur la difficulté des combats, mais sur la gestion des ressources. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut voir nos objets? Vous pouvez garder les objets que vous avez achetés au shop et acquis durant vos expositions. Il y a une limite à ce que vous pouvez garder ici. Ah, on peut équiper au Expedition Center. Ok. Alors, Jeanne. Est-ce qu'on a une arme? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on a une armure pour toi? Non. Des accessoires? On a un Forest Sharp. Ça donne quoi? Attaque et critique. Pourquoi pas? Ah, on peut remove un skill pour en acheter un autre. Jusque-là, j'étais assez satisfait de mes skills. Pour la paladine, par contre, la sister, je suis pas forcément fou. Amour suspicieux. Rendez 266% de votre attaque à un membre du groupe. C'est ça, j'aimerais avoir assez ça. Plutôt que masochistic pleasure, j'aimerais assez avoir overflowing. Mais comment est-ce qu'on fait pour le développer ce... Ah, les personnages ont des traits. Ah, ça fait... Oui. Alors, comment est-ce qu'on débloque des skills, par contre? Je suppose que c'est avec Lenny. Ouais, c'est ce qu'on s'est déjà dit. Il faut que j'aille rendre compte. Ah, c'est A. Report results. Vous avez fait un bon boulot. Comment s'est passée votre expédition? Plus dur que ce que vous pensiez, hein? Beaucoup se sont fait tuer ou ont disparu durant leur première mission. Alors vous avez très bien réussi. Tout le monde s'y habitue. J'espère que vous adapterez et que vous deviendrez des ajouts valables à notre corps expéditionnaire. En vérité, nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Il y a longtemps, un homme a prédit la fin du monde. Son nom était Cagliostro. C'était un de mes ancêtres. Il avait des expériences mystiques et a écrit à propos de ses expériences dans son livre des prophéties. Selon le livre, Cagliostro a visité le monde de la brume. Là, il a fait l'expérience d'autres dimensions, même ayant des vues de l'avenir. Il avait prévu la corruption de la brume et les espers. Il avait vu cela et tout le reste qui viendrait après. Selon Cagliostro, un grand vortex qu'il avait appelé Pilier de désespoir apparaîtrait. Peu après, un dieu de l'apocalypse se réveillerait pour détruire le monde. Pour empêcher ceci d'arriver, il faut entrer dans le monde de la brume par le vortex et trouver les bons indices pour résoudre le mystère. Il nous reste peu de temps, quelques semaines au mieux. C'est pour ça qu'il faut devenir aussi fort que possible, aussi vite que possible. J'espère que vous serez prête lorsque le temps arrivera, comme le duc Heinrich vient de le dire. Je vous remercie. Alors, on veut quoi? Mist of the Forest? On peut évaluer de l'équipement. Forest Essence, on peut fuse l'équipement. On va prendre la Forest Essence, je ne sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que tu as à me donner? Find Flower Roots. Ou.
Defeat the Swamp Worm and Rotten Beetles. On va prendre celle-là. Cette requête vient de l'établi d'alchimie. Il travaille sur un nouveau projet et il cherche un ingrédient spécifique. Ils veulent que vous cherchiez ces fleurs. Avez-vous entendu parler des fleurs du soleil? Elles poussent en grand nombre dans le monde de la brume. Leur lumière perce la brume. Parfois, vous pouvez voir des jeunes fleurs qui sont toujours en train de pousser. Elles sont plus petites en taille. Elles brillent moins. Collectionnez leurs racines et amenez-les à l'alchimiste. Faites attention, des dangereux monstres ont l'habitude de rôder près de ces fleurs. Et on peut prendre la deuxième quête. Adèle me demande de le débarrasser de bugs, quoi, d'insectes qui ont infesté la forêt. Marc a aussi fait plusieurs requêtes en demandant de l'aide. Parlez à Adèle au camp d'entraînement pour avoir plus d'informations. Ok, moi je vais m'arrêter là. Donc ça nous a donné un premier aperçu de ce qu'est Mistover. Hein, donc effectivement, un jeu qui, clairement... ressemble beaucoup à du Darkest Dungeon, sauf que c'est quand même un peu différent. Le système de combat ressemblerait presque, pas à grand chose. Non, c'est honnêtement c'est pas mal. Il faut apprendre à gérer vos positions en combat parce qu'elles varient plus. Et vous avez plus de liberté au niveau de la position de vos personnages en combat que sur Darkest Dungeon. J'ai trouvé le premier donjon beaucoup plus cool, facile, que le premier donjon sur Darkest Dungeon. Je parle pas des deux bandits sur la route, mais du donjon après, hein, le premier dans les ruines. Par contre, effectivement, l'accent semble être mis sur l'efficacité dans les donjons. C'est-à-dire pas prendre votre temps, mais vraiment beaucoup vous déplacer en diagonale quand c'est possible. Explorer le plus vite et le plus de zones possible. Donc c'est un autre challenge, même si ça y ressemble, même si la DA, elle, par contre, est particulièrement pompée dessus. Hein. Et voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.